Et voilà, on se retrouve avec notre blues. Alors, des petits changements par rapport à la vidéo précédente. Ici, j'ai remplacé l'accord de Mi diminué 7 par Mi bémol 7. C'est-à-dire que j'ai continué l'accord de Mi bémol 7 qu'on trouve ici. Je l'ai continué à la mesure suivante. Et on retombe sur le Si bémol 7 après. Du coup, j'ai adapté la ligne de basse. Donc, cet endroit. Et sur l'ensemble du morceau, j'ai créé un comping pour le piano, un accompagnement de piano totalement arbitraire, puisqu'il n'y a pas de mélodie de référence. Hein. Et à la fin, j'ai rajouté un joli trille de noir. Ok, donc puisqu'on est dans un blues, on va de suite parler du matériel dont on a besoin pour à la fois créer un thème et à la fois improviser. Et comme on est dans un blues, je disais donc, on va parler de suite de la gamme blues. Alors, avant de construire la gamme blues, on va se donner la gamme de référence du morceau. On est en tonalité de si bémol, dans une tonalité de si bémol, donc notre gamme de référence, notre gamme de la tonalité, c'est si bémol. Alors, on en a besoin pour la suite, donc du coup je vais l'écrire, cette gamme de si bémol majeur. On a un si bémol, do, mi, mi bémol, fa, sol, la, si bémol. Donc on a bien entendu notre gamme majeure. Quelles sont les notes qui la composent? Elle comporte les notes suivantes. Donc on a une tonique, on a une seconde majeure, on a une tierce majeure, une quarte juste, une quinte juste, une sixte majeure, une septième majeure, et on revient sur la tonique. Donc ça, c'est notre gamme de si bémol majeur. C'est notre gamme de référence, la gamme de la tonalité du morceau de blues. Du blues qu'on en a commencé, donc je rapporte cette gamme ici parce qu'on en aura besoin pour la suite. Maintenant, la gamme blues. Alors, les notes de la gamme blues, c'est la gamme blues donc de si bémol. Les notes de la gamme blues sont si bémol, ré bémol, mi bémol, fa bémol, fa bécart, la bémol. Et on revient sur notre si bémol. Alors, on remarque que la gamme blues, c'est une gamme à 6 sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va lui donner son nom. Gamme blues de si bémol. Si on analyse les notes qu'on trouve là, et on va faire cette analyse par rapport à la gamme de référence qui est la gamme de si bémol majeur, on trouve bien une tonique normale. Là, le ré bémol. Ah, mais d'habitude, on a un ré. Donc ici, c'est la tierce mineure qu'on va noter bémol 3. Le mi bémol, il appartient aux deux gammes, on est d'accord. Donc c'est notre quarte juste. Le fa bémol est un demi-ton en dessous de la quinte juste. C'est ce qu'on appelle la quinte diminuée. Bémol 5. Là, on trouve notre fa. Le fa, c'est la quinte. Le la bémol et b, c'est notre septième abaissé d'un demi-ton. Donc, c'est septième mineur. Septième majeur qui a été abaissé d'un demi-ton. Septième mineur. Et là, on retombe sur notre tonique. Okay. Donc, voilà l'analyse de cette gamme blues. Alors, quelles sont les notes qui n'appartiennent pas à la gamme majeure? On a cette note, la tierce mineure, la quinte diminuée et la septième mineure. Ces trois notes sont les notes caractéristiques de la gamme blues avec une mention spéciale pour ici le fa bémol. On regarde vite fait quelque chose par rapport à cette gamme blues. Je la reporte ici. Si j'enlève le fa bémol, on a ici la construction tonique, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineur, c'est ce qu'on appelle la pentatonique mineure.
Ça, c'est donc la pentatonique mineure de si bémol. Donc, pour construire la gamme blues, si on part de la gamme de référence de si bémol majeur, on va rajouter ici la tierce, on va changer la tierce majeure en tierce mineure, on va rajouter la quinte diminuée, on va changer la septième en septième majeure en septième mineure, mais aussi on peut partir de la pentatonique mineure, si elle est mieux connue. Donc on part de la pentatonique mineure de la tonalité, c'est-à-dire si bémol, ré bémol, mi bémol, fa, la bémol, et on va rajouter entre la quarte et la quinte ici, la quinte diminuée. Alors, c'est caractéristique ici parce qu'on a un mouvement de par demi-ton. Mi bémol à fa bémol demi-ton, fa bémol à fa bécart demi-ton. Voilà, donc on va ici combler en demi-ton, un passage en demi-ton par rapport donc à la pentatonique mineure. D'accord? Donc ça, c'est la façon de construire la gamme blues, cette gamme qui a une sonorité bien caractéristique. Donc j'enlève ça maintenant. Du coup, on va prendre cette gamme blues et on va la développer sur l'ensemble du morceau et on va voir que si on la joue sur l'ensemble du morceau, eh bien, elle fonctionne très bien. De la gamme blues, ça passe partout. C'est pas très musical, je le reconnais, ces enchaînements, mais au moins ça permet de voir que cette gamme blues fonctionne sur toute notre grille. Bon, on va passer. J'efface. On va passer à la suite. Donc la suite, hein, c'est du matériel mélodique, pareil qu'on peut utiliser sur la gamme blues, mais qui va s'adapter à la grille. Alors, pour cela, on va démarrer avec notre premier accord, qui est notre accord de si bémol 7, ici. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire de cet accord de si bémol 7. Donc, je vais le réécrire là-haut. On a bien si bémol, ré, fa, la bémol, si bémol tonique, ré, tierce majeure, fa, quinte juste, la bémol, septième mineur. Maintenant, si ça, je vais en faire une gamme. Je vais rappeler que c'est notre accord de si bémol 7. Si je vais en faire une gamme, je vais l'étaler horizontalement et je vais boucher les trous. Donc, on y va, on démarre. On a un si bémol. Après, il va nous falloir passer au ré. Entre le si bémol et le ré, on va mettre un do qui appartient à notre gamme de si bémol majeur. Après, on va passer au ré, on est d'accord. On va mettre le mi bémol qui appartient à la gamme. On va mettre le fa. On va mettre le sol qui appartient à notre gamme de référence. Et là, c'est là où il y a un changement. Dans notre gamme de référence, on a un la bécart. Et là, on va se retrouver avec un la bémol. Donc, on va mettre la bémol. Comment on l'analyse après et on revient sur notre tonique. Donc on fait notre analyse. On a tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure. Et là, la bémol, c'est la septième mineure. Et on se retrouve ici avec notre tonique. D'accord? Donc cette note bémol 7, on l'avait trouvée déjà dans la gamme blues tout à l'heure. Hein. Alors, maintenant, cette construction de gamme tonique, seconde, on y va avec les T, 2, 3, 4, 5, 6, septième mineur tonique, c'est ce qu'on appelle le mode mixolydien. Alors, le mode mixolydien, et c'est exactement le mode mixolydien de si bémol. Alors, je ferai une vidéo sur la construction des modes, mais le mode mixolydien, c'est le mode du cinquième degré
de la gamme Maja. Et ce monde mixolydien contient une note qu'on appelle caractéristique. C'est la septième mineure. Je cherchais. Voilà, d'accord. Si ici le la bémol, la septième mineure, c'est la note caractéristique du mode mixolydien. Et le mode mixolydien, c'est le mode des accords de dominante, des accords de type 7. Si bémol 7 en est un. Et si on regarde notre blues, on voit que notre blues est composé presque exclusivement d'accords de septième de dominante. Si bémol 7, 7, mi bémol 7, 7. On avance. Là, on a un cas particulier. On verra ça plus tard. Fa 7. Pareil, accord de dominante, accord de dominante. Donc, ce qui fait que ce mode mixolydien, on va pouvoir l'utiliser pour si bémol, mais on va pouvoir l'utiliser aussi pour mi bémol et pour fa. Donc, du coup, ici, on va prendre notre accord mi bémol 7. Mi bémol 7. On a bien notre mi bémol, la tonique, la tierce majeure, sol. La quinte juste si bémol et notre septième mineur, caractéristique de l'accord mi bémol 7. Alors, on l'appelle mi bémol 7. Et même opération que pour si bémol 7, on va en dégager. On va faire le mode mixolydien de mi bémol 7 à partir de ces notes de l'accord. Donc, on est parti. On a mi bémol, notre tonique, on a besoin de la seconde majeure, fa, on a besoin de la tierce majeure, c'est sol, on a besoin de la quarte juste de mi bémol, c'est la bémol, on a besoin de la quinte juste, c'est le si bémol, on a besoin de la sixte majeure, on a le do, attention ici, on a besoin de la septième mineure, le ré bémol, et on revient sur notre tonique. Donc si on fait l'analyse, on a bien tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, on a la sixte majeure, la septième mineure, elle revient sur notre tonique. Donc là, on a le mode mi solidien de. Ah, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Pardon. Poum, fait la pagaille. Mode mixolydien de mi bémol, mais j'arrive à... mais non, toujours pas, j'y suis toujours pas arrivé. On continue. Il nous reste un accord à voir, c'est l'accord de type Fa 7. Alors, on est parti, la même analyse. Fa 7, l'accord de Fa 7, c'est Do. Ok, on va l'étaler. On retrouve le Fa, la tonique, le La bécard, la tierce majeure, le Do, la quinte juste, le Mi bémol qui est la septième mineure. Donc ici, on a bien l'accord Fa 7. Et donc, si on l'étale, on a besoin du Fa, on a besoin de la seconde majeure, Sol, on a besoin de la tierce majeure, La, la quarte juste, Si bémol, la quinte juste, Do, la sixte majeure, Ré, la septième mineure, Mi bémol, et on atterrit sur le Fa, on fait l'analyse, c'était bien ça. La. Note caractéristique, septième mineur, bémol 7, et voilà, et on revient sur la tonique. Et donc là, on a le mode mixolydien de Fa. D'accord? Donc, le troisième accord résolu, Fa 7, mi bémol 7. Bon, du coup, je vite fait, on parle du cas particulier de Do mineur 7. Do mineur 7 induit le mode dorien, le mode dorien de Do,
Et il faut savoir que dans le mode dorien de Do, le mode dorien de Do, pardon, se compose, pardon, des mêmes notes que le mode mixolydien de Fa. Donc, en fin de compte, ce mode mixolydien de Fa, on va pouvoir l'anticiper et le commencer ici. Sur le Do mineur 7, ça posera pas de problème, ce sont les mêmes notes. Donc, avec ces trois modes, mode mixolydien de Si bémol, mode mixolydien de Mi bémol, mode mixolydien de Fa, on peut créer un thème ou improviser sur notre gamme de blues. Donc, on va voir une application. Voilà, j'ai réécrit les modes mixolydiens en croche. Et voilà ce que ça donne, adapté à notre grille de blues. On va écouter ça. De gamme de mode mixolydien qui suivent la progression des accords. Le seul endroit où ça peut accrocher un peu l'oreille là, du coup, parce qu'on retrouve pas la tonique, c'est ici sur le Do mineur 7, mais Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Mi, Fa. Si on voyons voir, si on garde ces mêmes notes et qu'on commence par le Do. Exactement les mêmes notes que tout à l'heure, mais on a commencé par le Do, et ici on va se retrouver du coup avec Do mode dorien, et là on a vraiment notre Fa mixolydien, d'accord. Donc c'est peut-être plus juste du coup de commencer avec le Do qui est la tonique là, on va voir. Mais bon, on a quand même les mêmes notes ici dans les deux mesures. Ok. Donc, c'est un très joli exercice, mais ça fait pas de la musique. Alors, pour le travail des gammes en général, le travail des modes ici, le mode mixolydien, comment dire, l'école classique de la musique va donner des centaines et des centaines d'exercices pour travailler les doigts, pour travailler la dextérité, pour travailler la vitesse, pour travailler la technique. Ce qui va plus nous intéresser ici dans le cadre du jazz et du blues, c'est de travailler sur la sonorité du mode plus que sur la dextérité, sur la vitesse à laquelle on va jouer. Donc, je dis toujours, si vous travaillez un mode, un nouveau mode, une nouvelle gamme, prenez ce mode, prenez cette gamme et jouez-la dans tous les sens. Vous la jouez comme vous voulez. Vous improvisez, vous inventez vos successions de notes, vous inventez quelque chose avec le pool de notes qui vous est donné, avec le nombre de notes qui vous est donné, mais vous le faites de façon libre. Vous imposez pas un rythme, vous imposez pas un tempo. Écoutez bien les changements, comment on passe d'une note à l'autre, l'effet que ça produit, ainsi de suite. On le fait séparément pour chaque, par exemple ici pour notre blues, on le fait séparément pour chaque mode, puis après on essaye de les assembler. On joue de façon libre notre Si bémol mixolydien, et puis après, de façon libre, on passe à notre mode Mi bémol mixolydien. Voilà, et on reste au moment sur le mode Mi bémol, on revient sur notre mode de Si bémol, voilà, on fait des allers-retours comme ça entre les différents modes, mais de façon libre. Et ce qui compte le plus que de chercher de la vitesse ou de la dextérité, bien sûr, il faut chercher la justesse, ça c'est très important, peut-être le plus important. Et par contre, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'écouter ce que ça produit au niveau des changements de notes, comment on change de mode à l'autre. Quel est l'effet que ça produit sur les successions de notes, comment on ressent les choses en fin de compte. Voilà.
Quel est notre ressenti quand on passe d'un mode à l'autre? Et c'est ça c'est de ça dont on doit s'imprégner plus. On a besoin plus de ça dans l'improvisation que de travailler sur la vitesse. Bien évidemment, l'aspect technique est aussi important dans le sens où au bout de moment, la technique doit pouvoir aussi nous amener à pouvoir jouer ce que l'on entend. Si on entend quelque chose d'assez rapide, il faut que nos doigts, petit à petit, arrivent à recréer ça. Donc c'est vrai que l'aspect technique, quand même, est important, mais il arrive en second après le côté émotionnel, le côté reconnaissance par l'oreille, quoi. Voilà. Le côté écoute. Bon, et du coup, là-dessus, on a vu la gamme blues, on a vu le mode mixolydien. Eh bien, on va voir un petit exemple de chacun, hein. Un petit exemple concret de chacun. Bon, voilà, on se retrouve maintenant avec deux exemples qui vont illustrer notre propos de la gamme blues et du mode mixolydien. Premier exemple, un thème de blues qu'on appelle de type thème de blues à riff fixe. Ce thème de blues s'appelle Bugs Groove de Milt Jackson. Milt Jackson est un vibraphoniste. Et il s'agit d'un riff, donc une série de notes qui vont se répéter sur la grille. Un riff qui sonne comme ceci. Ce riff est composé uniquement des notes de la gamme blues. Moins, ici on ne trouve pas la note bémol 5. Donc c'est les notes de la gamme blues sans la note bémol 5, ce qui correspond à la pentatonique mineure, hein. J'avais expliqué que la différence entre la pentatonique mineure et la gamme blues, c'est que dans la gamme blues, on a la note bémol 5 qui apparaît. Donc, qui dit blues à riff fixe dit que ce riff va se répéter. Donc c'est un riff de 4 mesures avec une anacrouse. Et on va le répéter. Voilà. Voilà. Donc, on va pouvoir écouter l'ensemble. Mais avant, une petite précision. J'ai changé le rythme de batterie. J'ai enlevé le rythme de shuffle. J'ai mis un rythme de swing plus adapté à illustrer un thème de jazz. Donc on va entendre que notre riff de 4 mesures ici va se répéter 3 fois dans le morceau. Ce qu'on va remarquer aussi, c'est que du coup notre comping de piano que j'ai gardé identique au travail qu'on a fait précédemment, va plus être très adapté à l'accompagnement du thème. Voilà. Mais bon, je ne l'ai pas modifié. À vous, comme ça, vous vous en rendrez compte. Allez, c'est parti, on écoute le thème dans son entier. En entier, pardon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Bugs Groove? Donc on se rend compte que ça fonctionne. Hein. Voilà, on a toutes ces notes de la gamme blues fonctionnent pendant sur toute la grille. Les accords peuvent changer, ça sonne toujours. On ressent bien l'esprit du blues. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Bugs Groove? À l'origine est en tonalité de Fa. Là je vais transposer un Si bémol. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Bon, et en fin de compte, voilà. Pour la plupart des blues riffs comme ça, ou du blues en général, quand on connaît une grille de blues, voilà, parce que ça, la grille de blues est quand même très structurée, très statique, hein. On retrouve toujours à peu près les mêmes choses. Il existe plein de variations, mais l'essentiel est toujours le même, on va dire. Sauf dans vraiment les blues très très modernes, où on s'éloigne vraiment de la gamme blues. On s'éloigne, pardon, de la grille de blues.
tel que je l'ai présenté là. Bon, et on voit donc que tout fonctionne. Du moment qu'on joue les notes de la gamme blues sur une grille de blues, on peut faire un peu ce que l'on veut. Voilà pour Bugs Groove. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus. On va passer à un travail sur l'improvisation avec les modes mixolydiens. Donc, voilà, j'ai préparé un travail. C'est une improvisation. C'est plus à la limite un exercice qu'une vraie improvisation. On va l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, pareil, j'ai modifié le rythme de batterie, j'ai mis un rythme de swing. Je n'ai pas modifié le comping du piano, l'accompagnement du piano. On y va, on écoute. Cette improvisation est faite uniquement avec les notes des modes mixolydiens. Allez, pas entièrement, pas à 100%. S'il y a des endroits pour que ça soit moins monotone, j'ai un petit peu utilisé d'autres formules. Allez, on écoute. Donc on va faire une petite analyse de l'improvisation pour que ça vous serve à créer vos propres exercices d'improvisation. Alors, donc je disais que j'ai utilisé uniquement les notes des modes. Ici, Si bémol 7, le mode mixolydien de Si bémol, et bien il est là. Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol. En dessous, j'ai écrit tonique, deuxième degré, tierce, quarte, quinte, sixte, septième mineur, tonique. Alors, en rouge, j'ai marqué les notes qui sont sur le temps. Et on remarquera ici que les notes qui sont sur le temps, ce sont les notes qui composent l'accord de Si bémol 7. Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Alors, c'est toujours bien de placer les notes de l'accord sur le temps pour bien entendre la progression mélodique et harmonique. Voilà, pour qu'il y ait plus de relation entre la mélodie de l'improvisation et l'harmonie. On peut après, il y a des endroits où je lâche ce procédé, mais là c'est bon. J'ai essayé de le garder le plus souvent possible là, dans l'improvisation. Donc première mesure. Ici, dans la deuxième mesure, on arrive avec la septième mineure, sixte, quinte sur le temps, tierce. Quinte, alors pourquoi j'ai mis quinte en rouge? C'est pas ce que je voulais, c'est la tierce qui est sur le temps, la quinte est pas sur le temps. Donc du coup je vais vous montrer comment on change de couleur. On sélectionne notre texte, on fait F8, on choisit la palette des couleurs. Voilà, on va choisir le noir, très bien, et c'est ici qu'on va changer. Voilà, et on sort avec F8. Donc on a la tierce sur le temps. Ici cette note, c'est une note de passage, passing tone, d'accord? Elle n'a pas vraiment de place dans la gamme, mais elle sert juste à faire le lien entre le sol et le fa. On peut écouter. Ok, donc on peut écouter toute la mesure. Notre note ici sur ces deux mesures qui sont en mode mixolydien de si bémol, ça commence avec la quinte, fa, sixte, septième mineur, tonique, tierce. Et là, il y a un petit mouvement qui nous amène vers la tonique. Et ce petit mouvement, c'est un mouvement assez classique qui est quinte, tierce mineure, tierce majeure. Donc du coup, on a la tierce mineure qui appartient à la gamme blues et qui rappelle un peu plus le côté blues et le côté. Donc ça rajoute un peu de piment. Voilà. C'est vrai que la gamme mixolydienne a tendance à être un peu fade. Donc on écoute. On va continuer après. Ici, on a, pardon, tonique, si bémol, septième mineur, sixte, septième mineur, et on atterrit sur la quinte. Donc là, on a la sixte sur le temps. Faut savoir que la sixte, ça peut être une tension, du coup, ça peut être la tension de 13e par rapport à l'accord. Bon, je l'ai noté, j'ai gardé le chiffre sixte pour pas trop embrouiller ici. Okay, donc on entend bien ce petit passage là. Bon, ok, on continue.
Donc, pour mi bémol 7, j'attaque avec un mi bémol, c'est-à-dire la tonique, mais avant on a un fa. Alors le fa, c'est à la fois la quinte du mode mixolydien de si bémol, mais à la fois ça peut être une note d'approche. Je l'ai noté comme une note d'approche, c'est une sorte d'enclosure, mais très courte en fin de compte. Note d'approche du fa vers le mi, ça donne un élan vers le mi. Ok. Donc là, après, il y a un mouvement de note qui est assez classique. Voilà, c'est un pattern. Mi, fa, sol, fa, sol, la, si, la, et ainsi de suite. On entend le pattern jusqu'ici, et après, on a une montée, montée conjointe, et on arrivera sur le fa. On va écouter ce pattern avec l'élan. Donc, on atterrit ici sur le fa, et là on a un nouveau pattern, c'est un pattern en tierce qui va nous amener ici au fa, à la quinte. Et donc on remarque que c'était ici, voilà. Ici cette note qui est sur le temps, c'est le fa. Oui, c'est le fa du mi bémol, du coup c'est le deuxième degré, pareil. Sauf que quand il est sur le temps, on le considère comme une tension. C'est la tension de la neuvième. D'accord? Si le degré 2 est sur le temps, alors ça devient une tension. C'est un peu ce que je disais par rapport à la note 6. Là. La note 6, ça peut être analysé aussi. Et ça serait mieux de l'analyser comme une tension, du coup. Au lieu d'écrire 6, on peut écrire 13. Du coup, ça devient une tension. Et on peut la rendre joli avec une couleur rouge, hein, pourquoi pas. Voilà, à la limite c'est plus juste puisqu'on parle de tension à cet endroit-là. La neuvième, alors on va voir que la neuvième, on va retrouver une ici, la neuvième de si bémol, c'est-à-dire le do sur le temps, et on va en retrouver une ici après. Donc on va écouter là le pattern à partir de si bémol 7. On est toujours dans le mode mixolydien de si, on est dans le mode mixolydien de si bémol, et on a un pattern en tierce. Voilà, et qui nous amène au fa. On écoute de fa à fa. Ok, là, du fa, on va aller jusqu'au do, la tonique. Ok, do ici. Alors, j'avais parlé de do mineur 7. Do mineur 7, j'avais dit que le mode qui correspond à do mineur 7, c'est do dorien. Et j'avais aussi dit que do dorien contient les mêmes notes que fa mixolydienne. Donc il n'y a pas de problème. Sauf que là j'ai fait l'analyse par rapport à do dorien. Donc tonique, quinte, septième mineur sur le temps, la neuvième sur le temps. Voilà. Et là on arrive sur fa 7, donc fa mixolydienne 7. Toujours la neuvième ici, donc on remarquera que à partir de là j'ai utilisé souvent les neuvièmes. La neuvième est vraiment une tension très utilisée, et il faut pas hésiter à rajouter cette couleur de neuvième quand vous improvisez. Voilà, il faut en avoir conscience, il faut se dire voilà, je joue la neuvième, mais ça ouvre l'improvisation, ça ouvre vraiment les oreilles. Les oreilles. Alors, facette. Et là, on revient sur notre premier degré de la gamme blues. On revient sur si bémol 7. Et là, je n'ai pas utilisé. Enfin, c'est les notes qui appartiennent au mode mixolydien. Mais je l'ai plus décrit ici comme une enclosure qui met en valeur la tonique si bémol. Donc, on écoute. Enclosure. Et pour le final, j'ai utilisé les notes de la gamme blues sur le fa 7. Voilà, et on reprend au début. Donc, je crois que j'ai parlé de tout. Allez, pour le plaisir, on se l'écoute une dernière fois.
Qu'est-ce qui fait après que ça sonne vraiment comme un exercice? C'est peut-être le choix d'avoir le rythme des croches comme rythme important, enfin comme rythme principal. Voilà, on a un déroulé de croches, ça sonne très exercice. Il y a quelques respirations, quelques notes longues, hein, mais bon, là je fais le choix de donner plus, comment dire, moins de caractère à l'improvisation et un côté plus linéaire, plus avec des mouvements conjoints. Il y a peu de sauts, il y a des sauts de tierce, mais ça va être le grand maximum. Donc voilà. Bon, amusez-vous avec vos propres exercices. Donc là, je vous ai donné des pistes pour créer vos propres exercices d'improvisation. Allez, bye bye, à une prochaine.